Allez les amis, c'est parti pour une nouvelle guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on nous parle d'engagement, d'accord, d'officialisation, de formalité administrative les amis. On nous parle de mission de vie et de commencement les amis. Alors, et on a la carte de la transformation. Donc là, peut-être qu'il y a certaines personnes qui s'engagent dans quelque chose, qui officialisent quelque chose. Alors aujourd'hui, la mission de vie, c'est vraiment en lien, un petit peu comme la vidéo d'hier, en lien avec votre destinée. Il y a quelque chose qui arrive à vous pour vous guider dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui s'officialise, il y a quelque chose qui prend forme. Et on vous dit que vous démarrez quelque chose de nouveau avec le commencement. Cette chose qui arrive à vous, dans laquelle vous allez vous engager, c'est vraiment en lien avec ce que vous êtes venu vivre, concrétiser. Et il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous guider vers quelque chose qui est aligné à votre âme. Voilà les amis, donc officialisation, je pense que certaines personnes s'engagent dans une direction. Certaines personnes ont peut-être aussi... l'accord de quelque chose, d'un organisme, de quelque chose pour démarrer quelque chose, pour commencer quelque chose. Voilà, en tout cas, on nous parle vraiment d'une officialisation, d'un engagement. Alors, on nous parle de sourire. Donc, j'ai l'impression que certaines personnes vont s'engager pleinement dans quelque chose qui va les rendre heureux avec le sourire, qui va leur apporter le sourire tout simplement. Peut-être que certaines personnes décident de se laisser guider ou de s'engager pleinement dans quelque chose, une espèce de mission de vie ou quelque chose qui les anime, qui leur parle. Voilà, ou alors vous allez avoir l'ouverture vers quelque chose dans lequel vous allez vous engager et qui va vous donner pleinement le sourire parce que c'est vraiment aligné à ce que vous êtes venu faire. Voilà les amis, donc un nouveau cycle qui s'ouvre, un nouveau commencement, des choses qui arrivent et donc dans lequel vous allez vous engager. Allez, on continue. On nous parle d'enfants, donc il se peut qu'il s'agisse d'enfants de votre famille aussi, qui traverse ces énergies-là, où il va y avoir un engagement, quelque chose qui va le rendre heureux pour démarrer un nouveau cycle, ou alors tout simplement la naissance de quelque chose, d'un nouveau cycle, ou alors un accord ou un engagement par rapport à un enfant, les amis. Voilà, en tout cas, on voit que c'est joyeux, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de sourire retrouvé, de joie de vivre, d'être aligné à qui on est. Il y a aussi la notion d'union et de régression. Donc, peut-être que certaines personnes ont eu quelque chose qui arrive tardivement ou ont eu besoin de temps peut-être d'en s'engager dans une direction. Là, en tout cas, on dirait que ce temps d'attente, il est terminé. Là, il y a vraiment la notion de s'engager dans une direction et un renouveau qui arrive. Hein. Peut-être que certaines personnes, sur le plan sentimental, peuvent s'engager en termes amoureux. Voilà, ou décide de s'engager avec quelqu'un, avec le nouveau commencement. Peut-être que certaines personnes décident de s'engager pour fonder une famille, que ça a mis beaucoup de temps, mais que là, le moment est venu de vous engager, en fait, tout simplement, et de commencer quelque chose qui est en lien avec votre mission de vie ou qui vous tient à cœur ou que vous voulez avoir dans votre vie, tout simplement. Voilà, en tout cas, ça vous rend heureux, vraiment, avec la notion de sourire. Voilà, il peut y avoir un engagement professionnel par rapport à en lien avec un enfant. Et après, je vous dis, ça peut être un enfant qui traverse ces énergies-là, les amis. Alors, j'ai quand même ce temps d'attente avec la régression aujourd'hui. J'ai quand même ce temps de, c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu, les amis. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai cette notion d'attendre très longtemps quelque chose qui jusque-là n'était pas là. Et là, avec l'engagement, on dirait que le moment est venu d'avoir cette chose, de vous engager dans cette direction pour l'obtenir. Voilà, les amis, ce qui me vient avec ce tirage. Allez, je continue. Allez, ouais, les choses se mettent en mouvement. Hein. Donc, si vous avez longtemps attendu, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Après, on vous invite à saisir quelque chose ou à vous engager tout simplement avec le mouvement pour ne pas rater ce train. Voilà, de monter dans ce train aussi également, les amis. Peut-être que l'engagement, c'est aussi de construire une maison. Regardez, on a la maison qui ressort.
ou de vous installer quelque part avec le commencement, les amis, et on a quelque chose d'épanouissant, d'heureux en fait. Après, peut-être que certaines personnes s'engagent et ça va ramener du bonheur dans leur maison, ou un enfant s'engage dans une direction et ça vous ramène de l'apaisement. En tout cas, j'ai quand même la notion de ne pas rater quelque chose avec le train aujourd'hui. Parce que cette chose, cet engagement, cette ouverture qui arrive, ça va vous redonner le sourire. D'accord? Donc, on vous dit vraiment de ne pas rater cette occasion ou de pas rater quelque chose. J'ai vraiment ça qui me vient, les amis. Donc, je vous le dis. Voilà. Et on nous parle de bonheur et d'épanouissement. Hein. Donc, voilà. Hein. Il y a un nouveau commencement, quelque chose qui arrive. Vous allez construire une nouvelle étape de vie. Et il y a vraiment quelque chose avec le sourire et le bonheur, l'épanouissement, les amis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans lequel vous allez vous engager qui va vous rendre tout simplement heureux. Que ce soit une habitation, que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, que ce soit le fait de se mettre en couple et peut-être de se marier avec les alliances, que ce soit également le fait de vouloir avoir un enfant, que ce soit un enfant peut-être qui traverse ces énergies, que ce soit un accord par un partenariat sur le plan professionnel, en lien peut-être avec des enfants. Voilà, il y a tout ça. Mais on vous dit vraiment de ne pas rater cette occasion d'avancer, que ça fait partie quelque part de votre mission de vie pour celles et ceux qui y croient. Et que vraiment ce nouveau démarrage, ce nouveau commencement vraiment est lumineux. Regardez, le train, il va vers la lumière. Vous avez le soleil de l'été et vous avez le grand smile et le grand sourire. Donc les amis, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc pour certains, il y a vraiment des engagements qui arrivent et qui vont être lumineux, tout simplement. Je pense que là, il y a des engagements qui sont faits pour vous et la voie, vous allez la prendre, l'engagement, vous allez y aller. Et c'est un bon démarrage de quelque chose, les amis. Hein. Alors on nous parle de beaucoup de temps, vous voyez. C'est là vraiment la notion de... Alors j'ai la notion de temps avec la régression de tout à l'heure. Là, on a le temps qui ressort, donc quelque chose qui a été très long. Mais là, c'est comme si... ça allait arriver et de ne pas rater le coche, quoi. J'ai vraiment cette notion-là, les amis. Aujourd'hui, j'entends de ne pas rater le train, quoi. Voilà. Et ça va vous ramener de la tranquillité, les amis, qui a été peut-être longue à trouver. Il y a une notion d'étranger, donc peut-être que vos projets ou les choses comme ça sont en lien avec l'étranger. Ça peut être également le soutien de l'univers. Parce que moi, cette carte, je l'ai toujours aussi comme l'univers, en fait, qui vous soutient à aller vers davantage de tranquillité. Et regardez, on a le sourire, la joie, le commencement, l'épanouissement. Je crois que les messages sont clairs. J'ai peut-être même pas besoin d'interpréter les cartes pour celles et ceux qui commencent à me suivre depuis un moment. Je pense que vous ressentez quand même la tendance générale qui est épanouissante, qui est joyeuse, qui vous apporte le smile, tout simplement. Et c'est plutôt vraiment pas mal, quoi. Allez, je continue avec le 77, les amis. Donc, c'est chouette. Eh bien, regardez, on a encore l'officialisation, la signature, l'engagement qui arrive de façon précipitée. On vous dit peut-être que de garder secret avec la bouche fermée ou quelque chose qui était tu jusqu'à maintenant aussi, pourquoi pas, une discussion qui arrive. C'était hier, on avait les révélations qui arrivaient de façon précipitée, les amis. Eh bien là, il y a peut-être aussi la notion de quelque chose qui s'accélère. Mais qui était tenu secret ou qui était tu jusqu'à maintenant, quoi. En tout cas, on voit que vous vous engagez dans ce nouveau démarre, de son nouveau cycle, pardon, je vais y arriver. Il y a quelque chose de lumineux et d'heureux et d'épanouissant derrière. Voilà, les amis. Donc, c'est vraiment chouette ce tirage aujourd'hui aussi, hein. Alors, on nous parle des difficultés, des tracas, des soucis. Peut-être que certaines personnes se font du souci... par rapport à certaines choses, et on vous dit que l'engagement arrive tout simplement. La fin des soucis quotidiens, regardez, on a la mort sur les tracas quotidiens. Donc ça veut bien dire que si certaines personnes... Et la conclusion, c'est le 7. Donc la conclusion, c'est que j'ai l'impression qu'avec le 7, pour moi, c'est le chiffre spirituel plus. C'est le chiffre de la sagesse, c'est le chiffre aussi pour moi de cette connexion avec l'univers qui vous guide dans une direction qui est faite pour vous, avec l'engagement, et que même si ça a mis du temps, on vous guide dans une direction qui vous rendra heureux, tout simplement, en faisant les bons choix, en vous engageant pleinement, en étant qui vous êtes. Et il y a vraiment cette notion de retrouver un épanouissement, un sourire, et d'être vraiment connecté à la spiritualité ou à votre âme ou à ce que vous êtes venu faire, les amis. Voilà ce qui me vient avec ce tirage. Donc, très joli tirage une fois de plus.
Il y a vraiment un engagement favorable. Il y a quelque chose qui était bloqué, hein, là, qui a mis beaucoup, beaucoup de temps avant de se débloquer. Hein. Ouais, il y a eu le fait d'être vraiment dans une phase là où ouf, ça a été compliqué. Hein. Là, on voit la personne désespérée. Hein. On voit aussi peut-être la roue qui tourne de façon pas forcément positive. Hein. En tout cas, pour moi, ça, c'est le après, le avant, pardon. C'est ce que vous avez traversé avant avec beaucoup de désespoir, beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, beaucoup de choses très compliquées, les amis. J'ai vraiment ce ressenti-là. Et là, on voit que ben voilà, vous allez être guidé quand même à sortir de ce désespoir, même si ben, les choses n'ont pas été simples, même si vous avez longtemps marché à tâtons, même si peut-être que le commencement ne va pas être encore pleinement waouh. On vous dit vraiment de continuer à y croire parce qu'il y a vraiment cette notion d'épanouissement et de bonheur à la clé. Voilà les amis, allez, je termine avec une petite carte de l'oracle des Filia et j'aurai fini cette guidance. Moi, pour moi, il y a vraiment une notion d'engagement qui vous redonne le smile. Voilà ce que j'entends, les amis. Et on nous parle de cycle. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais avec ce nouveau commencement d'un nouveau cycle qui s'ouvre. Eh bien, c'est vraiment cette notion de vous libérer des choses qui vraiment ou ne fonctionnaient pas ou ne fonctionnaient plus. Et peut-être que vous insistiez aussi hein, à rester dans ça et ça vous enfermait et ça n'évoluait plus et il y avait quelque chose à comprendre. Et là, il y a vraiment cet engagement où même si vous y allez peut-être à tâtons hein, pour certains ou que vous ne voyez pas encore ce que ça donnera, il y a vraiment cette notion d'aller vers du lumineux et d'une notion de cycle qui se ferme, qui a été compliqué. Et de renouveau qui va vous donner le sourire qui arrive par la suite. Voilà, chers amis, pour cette guidance. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye bye!